La fête de la nativité attendue annonce la venue du Christ Sauveur. Un moment joyeux et lumineux pour la communauté chrétienne du monde. À Lokpom, dans le 5e arrondissement de Douala au Cameroun, Emmanuel est né dans le noir. Pas l'ombre d'un lampadaire sous le toit des maisons pour éclairer sa venue ce 25 décembre. Nous avons préparé cette fête comme tous les autres, mais sans savoir que le courant devait être un handicap pour nous. La nuit du 24 au 25, nous étions carrément dans le noir. Jusqu'à présent, nous vous parlons. Toute la journée d'hier, dans l'obscurité, les enfants ne peuvent pas dormir parce qu'il fait chaud. Et les moustiques, avec tout, c'est compliqué. Au lendemain de la Noël, c'est la même misère. Les denrées alimentaires conservées la veille pourrissent dans les congélateurs. Les approvisionnements pour la Saint-Sylvestre et Nouvel An sont à mettre dans la poubelle. Ça, c'est comme ça les produits que j'avais achetés depuis vendredi passé. Tout est gâté. N'ayant pas assez de moyens comme certains voisins qui ont leur groupe électrogène pour fonctionner, à une certaine heure, ils ont envoyé de l'énergie avec une tension élevée. Et ça détruit notre appareil. Dans les domiciles, tout le monde est aux aguets. Le retour du courant électrique semble long que la venue de Jésus-Christ lui-même. Et ceux qui ont les forages qui essaient de nous soulager, sans courant, on ne peut pas avoir de l'eau, puisque les pompes sont électriques. Appuyé sur l'interrupteur à plusieurs reprises, l'ampoule ne scintille pas. Les riverains craignent à nouveau de passer cette nuit dans l'obscurité. Vraiment, nous ne voulons plus que ça se répète pendant la fête de Saint-Sylvestre. Pourtant, un lieu d'espoir habitait les résidents de ce quartier. Après l'annonce de Globelec, producteur indépendant qui gère les centrales de Kribi et Dibamba, de la mise en service de celle-ci jusqu'au 27 décembre. Date butoir pour le règlement de ses dettes dues d'une somme de 115 milliards de francs CFA. Le bonheur n'aurait été que de courte durée. Les populations de la capitale économique ne sont pas à l'abri de revivre les désagréments passés. Bien qu'à Lokpom et plusieurs autres quartiers de Douala, rien n'a vraiment changé depuis le 1er décembre 2023.